Voilà, madame, c'était photo à Majesty. Vous avez compris que depuis hier, samedi à 18h30, nous sommes en train de parler de l'orchestre socialiste avec le trio Majesty que j'ai reçu sur ce plateau. Et nous continuons de parler de l'orchestre, de l'épopée même du trio Majesty. Et ils vont nous raconter encore ce qu'ils comptent faire dans un proche avenir. Pour ceux qui nous ont rattrapés, parce qu'hier, ils n'ont pas, peut-être pas suivi notre émission, eh bien, le trio Majesty est composé de trois personnes. Il s'agit là des messieurs Matadi Dimabele, Mario Bonakitoko, de M. Lokomasengo Djeskian et de M. Sinuku Sinatra Saksakoul. Eh bien, ce trio, il y avait trois nationalités dans ce trio. Il y avait un Angolais, un Congolais de Brazzaville et un Congolais de Kinshasa. Ils se sont mis ensemble en quittant l'orchestre VV pour créer le trio Majesty, mais ils étaient accompagnés par l'orchestre Sosoliso. Et là, nous retrouvons les chansons comme Bena, Luta, Feza, que nous allons certainement écouter aujourd'hui, avec tous les souvenirs que nous gardons de ce moment-là. On a parlé de l'origine de l'orchestre Sosoliso. Maintenant, nous allons parler de l'épopée, parce que vous avez eu à vous produire à l'Olympia, vous avez eu à faire des spectacles qui ont causé des morts, mais j'aimerais bien que maintenant nous puissions vraiment en parler. La question m'est posée par un moine membre, il s'agit là de M. Bocal Boto Amungo Kalomé. Il me demande que si vous pouvez lui relater encore l'histoire de mort, parce qu'à Bangui, vous êtes allé faire un concert avec l'empereur Bokassa, et il y a eu écoulement d'une église. Non, non, l'église, c'était à Kinshasa. Ah, voilà la précision vocale. Voilà. C'était à Kinshasa. À Bangui, c'était au stade. Au stade. Ah, d'accord. Ouais. Et à Bangui, qu'est-ce qui est arrivé pendant ces concerts-là à Bangui, il n'y a pas eu des morts à Bangui? Si, vous savez que Bangui, c'était devenu pour nous notre deuxième capitale. Mm. Parce qu'on a fait, deux tournées à Bangui en un temps record. C'est-à-dire qu'on est parti au mois de septembre, mmh. et puis on est revenu au mois de janvier. Mmh. Comme les Banguissois nous ont adoptés, et nous avons eu la chance d'avoir des bélomanes qui aimaient vraiment la musique à Bangui. Nous avons découvert un truc, ça nous a surpris d'ailleurs. Même l'empereur était devenu un fan. Bon, donc, au stade, tellement qu'il y avait beaucoup de monde, je crois que la sécurité a fait son travail. Mais dans l'enthousiasme populaire, voilà, il y a eu cet éboulement-là. Il y a eu combien de morts? Non. Vous vous souvenez? Non, on ne connaît pas. Il y a eu des morts, mais on ne connaît pas. Les chiffres, on ne connaît pas. Et quels étaient les risques? Parce que nous étions là. Sur scène, oui. Hein, et si ça se passait de l'autre côté, là-bas. De l'autre côté, donc c'est difficile. Ah, et là, la sécurité ne laissait pas passer les gens. Et c'est pour cela que l'empereur Bokassa nous a fait revenir au mois de janvier. Parce qu'on a joué au mois de septembre, je crois, oui. Et puis, il nous a fait revenir au mois de janvier. On a été avec lui, on est parti chasser dans un délai, je crois, hein, c'est ça, un délai. On est parti faire la chasse avec lui. Non, Vous avez gagné beaucoup d'argent. De cette époque-là, oui. En France, c'est folle. D'ailleurs, notre malheur, je crois, commence au retour des guides. Ça, c'est là où le commencement de nos malheurs. À cause de tout ce que vous avez gagné comme argent. Ah, justement. Oui. Ouais. Mais on va en parler. J'aimerais que puisse encore, puisque nous parlons de morts, vous me dites qu'il y a encore un problème de toit d'église à Kinshasa. Ça, c'est toujours M. Boto Amungo qui me demande, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de Mie qui s'était écoulée faisant des morts pendant votre concert à Kinshasa? Revenir sur ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Parce que tu es témoin vivant de cette époque-là, nous n'étions pas là. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ce concert-là à Kinshasa. C'était à Kabine, si je me souviens. C'était à Kinshasa. C'était à Itaga. Il y a eu un coulement de toi. Cercle. C'est à côté de la voix d'Isaïe, là. L'ancien avant Zaïre. Il y avait un truc, il y avait
la voie d'Israël avait un parking, enfin un parc où il faisait ses émissions. C'est là où nous avons joué d'abord, d'ailleurs, dans le parc, en face de l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, à chaque fois que vous faisiez un concert, il y avait du monde, à tel point qu'il puisse y avoir un écroulement de murs et tout ça? On n'était pas seuls. Il y avait Myriam Akeba, il y avait Abeti, il y avait Rochereau. Nous, on avait joué le dernier. D'accord. Myriam a joué, Abeti a joué, Rochereau a joué. Mais quand il s'agissait de nous maintenant, notre tour, c'est là où l'église s'est écroulée parce qu'on a fait chanter les Ngembo. Quand on a dit, vous êtes fatigués? Quand le public a répondu non, et brrr, directement, il y a eu le crime. Wow. Mais vous demandez pourquoi il y avait des morts. C'est ça? Oui. C'est la question qui a été posée. Hein. Ouais, sincère, pourquoi il y avait des morts? Ouais. Oui, mais écoutez, d'accord. Sincèrement, ce n'est pas pour minimiser les artistes d'aujourd'hui qui font bien leur travail. Seulement nous étions un phénomène. Donc, les gens voulaient à tout prix nous voir. C'est une chose qui arrivait, qui n'avait jamais arrivé. Ils n'attendaient pas à voir ce genre de choses. Les changements de costume. La danse, il y a eu beaucoup de choses qui étaient là. Les innovations que vous avez rapportées dans la musique congolaise, ont fait en sorte que le public puisse être drainé massivement lors de vos concerts. Malheureusement, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Bon, malheureusement aussi, parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas été récompensés. Revoyons encore en image Banamwamba, parce qu'il y a de ceux-là qui se posent des questions. Mais ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est le trio Majestic qu'on revoit en image à travers cette chanson que nous propose la réalisation. Ça vous évoque beaucoup de souvenirs. C'était un moment, c'était une période qui était belle, je dirais. Et alors, qu'est-ce qui est derrière vous? Il y a encore des survivants comme vous? Ah oui. Bon, il y a Mbole qui est mort. Il y a Luison. Akuda. Luison. Ça, c'est les morts. Ouais. Ça, c'est les morts, oui. Il y a Mong qui est en Angola. En Angola, Dersi en Angola. En Angola, Sita au Gabon. Si, au Gabon, oui. Bon. J'ai un téléspectateur ici, M. Nino Lequince, qui me pose la question. La danse que vous exhibez là, quand vous faisiez Odjé, quel était le nom de la danse et qui l'a créée en fait? La danse est Bidoun Doudoun. Bidoun Doudoun, ça veut dire quoi en fait? Bidoun Doudoun. Bidoun Doudoun. C'est un lingala, c'est un gourmand. Bidoun Doudoun. Non, c'était un cri. Parce que nous étions dans un milieu, on était bien entourés. Ouais. Parce que dans chaque quartier de Kinshasa, nous avons des clubs qui étaient des fan-clubs. Mais à Kintambo, on avait Zanga Zanga. Ouais. Le maître Zanga Zanga. Alors, un jour, Bidunda Dunda. Ouais. Donc, une belle femme qui est très belle, on appelle Bidunda Dunda. Alors, nous, on a mis ça dedans. Bidunda Dunda. Danse Bidunda Dunda. Et c'est comme ça que vous sautillez et tout ça? Vous rappelez la femme africaine, la beauté africaine. La beauté africaine. Avec Bidunda Dunda. Parlons toujours de l'épopée de ce soliste Banamwamba pour poser la question de M. Théo Kandolo Dieke Nyembo qui me demande quel souvenir vous gardez de votre production à l'Olympia de Paris. C'était en quelle année d'abord? L'Olympia de Paris. Excusez-moi, madame. On va dire que nous n'avons jamais été à l'Olympia. Vous n'avez jamais été à l'Olympia. Non, c'est une précision. Nous avons eu le contrat de l'Olympia. On préparait l'Olympia. On a eu le contrat. Oui. C'est ce qui était à la base de notre suspension. OK. On a reçu le contrat. Le contrat est arrivé. Oui. Qui était comme manager. Le secrétaire. On l'appelait manager. Il est passé à la télévision, montra plutôt le contrat. Le contrat.
au public le lundi la suspension. C'était dimanche à l'émission, l'invité de dimanche de, ouais, de Lucchese. Ouais. Et le lundi d'après, vous avez la suspension. Voilà. Parlons de la suspension parce que la question nous a été posée par M. Gervais Bouanga. Il dit qu'est-ce qui était la cause? Pourquoi on vous a suspendu en fait? Les gens parlent de Verkis. On nous a suspendu tout simplement parce que, à l'époque, on appelait les trois mousquetaires. Il y avait Rochereau, il y avait Verkis, il y avait Franco. Oui. Tout simplement, c'était pour nous, c'est pour nous arrêter notre... Lancer. Justement. Parce que nous, l'Olympia, nous, c'est un contrat qu'on a signé avec Cocatrice. Ce n'était pas une démarche de l'État des Aérois à l'époque. Parce que Rochereau passait à l'Olympia comme à Betis, c'était une démarche politique. C'était pour lancer l'authenticité, le machin. Mais nous, on passait à l'Olympia par une démarche artistique. C'est deux choses différentes. Donc on devait aller à l'Olympia par nos propres moyens. D'où le voyage de Bangui et après Bangui, on devait aller à l'Olympia. Mais quand vous avez raconté par rapport à la première émission à Bangui, ça vous a tellement gâté que vous avez envoyé beaucoup d'argent. Il y a un problème de devises qui s'est posé en retournant au pays. Parce que vous avez accusé d'avoir de devises étrangères, je crois. Oui, ça c'est quand on veut accuser son... Son chef de rage. C'était la Libye. Bon, parce qu'à l'époque, on avait une monnaie nationale. Mm. Bon, nous, on avait les CFA. On était obligé de changer ça à Brazzaville. Ça, c'était logique pour avoir beaucoup d'argent et préparer une... Mais pourquoi ne pas passer par la Banque nationale du Congo démocratique? Personne ne le faisait à l'époque. Personne. Aucun artiste qui partait à l'étranger, qui revenait, qui partait à la Banque nationale. Personne. Pourquoi on n'avait pas confiance à la Banque nationale? Non. C'était pas le système. C'était pas le système. Chez les musiciens, il n'y en avait pas. D'accord. Vous avez passé par Brazzaville et changé vos CFA centrafricains. Et vous avez ramené les CFA brazzavillois au Congo démocratique. Les Aïrs à l'époque. Il faut payer les musiciens à partir de Centrafrique. Okay. On amène le cachet qui nous reste pour préparer l'Olympia. Mm. On fait la monnaie à Brazzaville pour avoir beaucoup de Zaïrs. Voilà. Vous savez qu'à l'époque, il y avait Air Zaïre. Donc il faut payer l'avion, il faut aller à l'Olympia, donc par nos propres ressources. Mm. Et c'est ainsi que les trois mousquetaires ne voulaient pas que nous sortions un pas de plus. Et surtout Rochereau ne voulait pas que vous puissiez faire... Non, pas Rochereau, les trois. Les trois ne voulaient pas que vous puissiez aller à l'Olympia. Et c'était l'une des causes de votre suspension. Ah oui, fondamental. Voilà, nous allons continuer à discuter avec les Trio Majestic, mais pour l'instant, comme c'est une émission musicale, comme vous savez que j'ai l'habitude de danser avec vous, on va encore suivre notre chanson, les Trio Majestic, avec les socialistes. Voilà, membres, nous continuons avec les socialistes, avec les Trio Majestic. En train de parler de la séparation, de la discoloration de l'orchestre socialiste, dites-nous un peu quel rôle M. Mantez a joué par rapport à votre séparation. Voilà, Mandy était notre premier manager, comme on disait à l'époque, mais il était notre secrétaire de bureau. C'est lui, il nous a trahi, le premier traître dans cette affaire-là, c'est lui, qui a pris tous nos dossiers comptables et qui est parti donner à Franco. Donc Mandenda, c'était le traître qui nous a trahi en pleine couture. Monsieur Sinatra, vous ne voulez pas de Sinatra, Sinoku, ça coule. Dites-nous un peu, lorsque le groupe a été obligé de se séparer parce qu'il n'y avait pas moyen de payer les musiciens, on vous a confisqué l'argent et tout, qu'est-ce que vous êtes devenu? Chacun est rentré dans son pays, vous êtes dit non, on va rester un moment, puis on va revenir pour remettre le groupe en place. Quelle était l'idée à cette époque-là? L'orchestre, quand il était disparu, bon, nous étions toujours là. On joue avec les peu d'argent qui nous restait dans la caisse. Mais dire que quelle était la question? Je voulais savoir, lorsqu'on vous a suspendu pendant 18 mois ou 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit non, c'est fini pour nous, chacun rentre ce choix dans son pays, ou chacun s'est dit non, on va patienter et après on va réformer les groupes. On intéressé là. On attendait jusqu'à ce qu'on a donné encore un concert, je crois que c'était le mois d'avril. Après la suspension qu'on a connue, on a fait encore un concert et puis bon, c'est comme ça que l'orchestre.
Mais l'idée, parce que par la suite, selon les informations que j'ai reçues, M. Matadidi, vous êtes rentré en Angola, M. Diske, vous êtes rentré au Congo-Brazzaville, et Sinatra est resté tout seul. Sinikou plutôt, j'allais dire. C'était dur, quoi. Qu'est-ce qui les a motivés à dire que non, ce serait plus possible de réformer les groupes, c'est mieux de rentrer chez nous. Je vais compléter ça, Cole. Ouais. Dans notre esprit, comme à l'époque, oui. Kinshasa, on ne pouvait plus produire, nous avons pensé que si on pouvait mettre le siège du tribunal juste à Brazzaville. Ouais. Bon, on a essayé de faire ces démarches-là, mais nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible. Okay. Parce que ils avaient tellement politisé l'affaire, si bien que les gens ne voulaient même plus que nous ayons le siège à Brazzaville. C'est devenu trop politique. C'est pour ça qu'on n'a pas pu mettre le siège du tribunal juste à Brazzaville. Donc, puis, chacun a voulu faire la carrière solo dans son pays d'origine. Aujourd'hui, on vous revoit ensemble, vous êtes tous les trois. Quels sont vos projets futurs, les plus... Non, le projet futur, nous sommes là. Nous avons toujours dit que s'il faut faire un concert, comme vous dites, un concert de nostalgique, nous sommes prêts à le faire, même à faire une tournée africaine. Mais l'appel d'offres a été lancé depuis moins de 5 ans. On dit toujours que nous voulons faire une tournée africaine pour les générations des initiés, comme disait l'autre. Mais il faut une organisation. On en profite justement. Il y a souci des producteurs ou bien des mécènes qui peuvent vous accompagner et qui ne se présentent pas. C'est ça le nœud du problème? Non, il y a beaucoup de mécènes qui se présentent, mais ils ont trop la parole, mais ils n'ont pas la pratique. Parce que nous, on est maintenant à un moment où il faut qu'il y ait beaucoup de pratique qu'une parole. Ils viennent, mais ils font le discours, mais dans la pratique, on ne voit rien. Et dans vos carrières respectives, est-ce que vous avez un disque sur le marché ou un disque en cours de production, de réalisation? Vous avez dit, si nous avons un disque, on avait un disque. Deuxième mi-temps. Le disque là est sorti en 1983. Oui. C'est l'année qu'on est parti. Nous sommes partis. 83. Bon, le deuxième mi-temps. Bon, maintenant, on avait l'idée de continuer. Mais malheureusement, le monsieur qui était comme producteur, il a pris le disque, il a remis aux mains de Verkis. Et Verkis a fait asseoir là. Non, il n'a même pas fait asseoir. Il l'a jeté dans la poubelle. Wow. Donc, depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de disque par rapport au groupe Socialiso, encore moins respectivement. C'est-à-dire, votre carrière solo, vous êtes sur Kekele aujourd'hui? Ah, d'accord, ça c'est, oui, bien entendu, ça c'est en solo, oui. Je savais qu'il est Kekele. De temps en temps, on fait des buzz et tout. Et M. Mario, en Angola, vous continuez à prester en tant que musicien? Oui, mon dernier concert, c'était au mois de novembre, que la télévision, une des télévisions angolaises d'Angola, m'a fait hommage, et donc j'ai chanté. C'était mon dernier concert. J'ai mon orchestre Interpalanca. D'accord. Voilà, membre, le temps nous fait un défaut. Vraiment, j'aurais souhaité continuer à parler avec, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites que vous voudriez bien savoir. Mais je compte le réinviter une prochaine fois pour de plus amples explications. Mais là, le temps nous fait un défaut. Le dernier mot, je le donne à M. Sinatra. Sinoukou, Saksakoul, pour qu'il puisse nous dire vraiment quelles sont ses impressions et puisse savoir si lui aussi en même temps il a continué à prester ou bien à produire, bien que les groupes n'existaient plus. Et après le Dream Majesty, disons que j'ai fondé les Show Machines, avec une des j'ai continué à chanter. Ça, c'est que je suis venu en Europe, j'ai laissé tomber. Sinon, avec une des bon. Mais ma chanson, ça marche, c'est ça, ça marche un peu. Moi, nous, ça marche. Voilà, Bala Membre, j'espère que vous avez aimé cette émission. Il y aura une suite, je vous rassure, parce que je vais encore le réinviter, puisque pour l'instant, M. Mario est ici à Paris, et que les deux autres résident déjà à Paris. On va encore leur faire appel. Je crois qu'il y aura déjà un producteur sur place pour que nous puissions voir des voies et moyens de faire un concert historique avec les Socialistes et les Trio Majesty. J'espère que vous serez nombreux à participer à ces événements. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci. Thank you.